on va te préparer au mariage. Donc, tout le monde rêve. Bon, pas tout le monde. Il y a des gens qui ne veulent pas se marier. Qui ne veulent pas se marier ici. Qui ne veut pas se marier. Qui ne se mariera jamais ici. Mets-toi debout, ma fille. Dieu te bénisse. Tu appartiens à une espèce rare. À une race en voie de disparition. Maman, levez-vous. Qui ne voulait pas vous marier. Mettez-vous debout. Zamari wa anas kramita ou dalforozo in seramita ou deman enaugali voros. Gromologie en langue. Vous ne voulez pas vous marier. Hein? Et la raison, c'est quoi, maman? Vous avez été déçu dans la vie. Donc, en réalité, ce n'est pas que vous ne voulez pas vous marier. C'est que ça n'a pas donné. C'est ça la vraie raison. Oui, papa. Hein? Tous les hommes que j'ai connus. Hein? Ils sont vus. Hein? Vous dites? Tous les hommes qui voulaient vous épouser sont morts. Mettez-moi le micro aussi, le volume sur ça. Écoutons ce témoignage. Elle dit que tous les hommes qui voulaient l'épouser sont morts. Des hôtels familiaux. C'est pour ça qu'on doit travailler. Vous disiez que tous ceux qui sont venus pour vous épouser sont morts. Et vous, ça vous fait quoi? Parlez fort. Ça me fait mal. Ah, ça vous fait quand mal. J'ai été dessus dans la vie. Il y a combien d'hommes environ qui ont voulu vous épouser, qui sont morts? Deux. Deux. Oui, j'ai fait un enfant avec l'enfant. Il est mort avec l'enfant. D'accord. Maintenant, si je prie pour enlever cette malédiction dans votre vie et qu'un mari vienne, est-ce que vous allez changer d'avis? Oui, papa. Vous allez changer d'avis? Oui, papa. D'accord. Maman, pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Déception. Déception. Donc en fait, ce n'est pas que vous ne voulez pas vous marier. C'est que c'est mauvais. Et déception. Et je suis dans une famille qui a trois filles. Et les enfants, ils n'ont pas toujours. Elles vont toujours en mariage et elles rentrent toujours à la maison. Toujours. Donc, je ne veux pas me marier, papa. Je veux juste que Dieu me bénisse avec mon travail. J'ai un enfant déjà. Son père est en prison et sa famille me déteste tellement. Depuis 2 ans aujourd'hui, je prends soin de mon fils. Je me bats corps et âme pour payer sa pension. Mauvaise expérience quand j'étais chez lui avec sa mère. Je pense qu'à un certain moment que je suis maudite. Vous pensez que vous êtes maudite? Ok. Vous comprenez, bien-aimé, que ce soit Dieu veut nous délivrer. Amen. Le Seigneur veut nous délivrer et si nos cœurs sont disposés, il va nous délivrer. Amen. Vous n'êtes pas du tout maudite. C'est des fondations familiales. Et je voudrais vous aider ce soir. Le Seigneur va vous bénir. Et si je prie et que Dieu vous délivre et qu'il vous envoie un homme qui peut prendre soin de vous, vous aimer, vous garder, vous chouchouter, vous soyez, vous enjoliver jusqu'à ce que vous deveniez enjolante. Est-ce que vous allez accepter? Oui, papa. Vous allez accepter, d'accord. Oui, papa. Yes. Donnez le micro à la maman là. Vous avez connu quelqu'un qu'on appelait Michel, un homme qu'on appelait Michel? Oui, papa. Il est où? À Saint-Denis. Qu'est-ce que vous a dit? Est-ce que vous l'aimiez? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Et pourquoi vous êtes séparés? C'était seulement un amitié comme ça. Hein? C'était seulement un amitié comme ça. Un amitié comme ça. Est-ce qu'il vous aimait? Oui, papa. Je ne sais pas s'il l'aimait, mais moi, je... Vous l'aimiez? Mais vous ne savez pas s'il vous aimait? Oui. Hein? Oui, papa. Vous ne saviez pas pourquoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il est où? Il est où maintenant? Vous savez où il est maintenant? Bah, c'est un homme en tenue. Il est en Gaoundé. Il travaille à la garde présidentielle. Regardez. À l'époque où vous étiez avec Christian, vous comprenez? Hein?
C'est qui? Michel. Michel. Oui. À l'époque, vous étiez avec Michel. Vous voyez, un jour, vous êtes sorti avec lui. Hein? Oui, papa. Un jour, vous êtes sorti. Vous êtes allé prendre un pot. Et vous êtes allé prendre le pot dans un bar. C'était un petit bar. Et vous êtes assis au niveau de ce bar, au niveau de la véranda du bar. Et pendant que vous étiez assis au niveau de la véranda, vous avez commencé à parler. Et il vous a dit que vous étiez une bonne personne, que vous êtes une bonne femme. Il vous avait amené dans un bar. Dans un bar où on avait écrit comme Claire. Hein? C'était Claire Bar, quelque chose comme ça. Hein? C'était chez Claire. Et c'était un bar où vous aviez l'habitude d'aller. Oui, papa, parce que moi-même, je travaillais dans un bar en Bobo, car c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. D'accord. Quand il vous a mené chez Claire, vous êtes assis, vous étiez au niveau de la véranda, et il vous a dit que vous êtes une très belle femme. Et vous, vous aviez la Castel devant vous. Lui, il avait une 33 devant lui. Parce que c'est la Castel que vous aimiez boire. Yes. Et il vous a dit que vous êtes une belle femme, qui vous aime bien. Mais il était avec une femme à l'époque. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Et il vous a dit qu'il engageait avec la fille, mais ils ont des problèmes. Il ne sait pas pourquoi il s'est même engagé avec la fille, mais il allait voir les parents de la fille. Oui, papa. Et la fille, c'était son homonyme. On l'appelle aussi Michel. Hein? Hey! Et il vous a expliqué que c'est à cause de cet engagement qu'il n'arrive pas à vous épouser. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez dit ici devant tout le monde que en fait, vous ne voulez pas vous marier à cause de la déception. Et je veux vous dire une chose. Michel, c'était quelqu'un pour vous. Vous me suivez? Oui, c'était quelqu'un pour vous. Il était pour vous. Mais, comme vous n'aviez pas Christ, les sorciers ont détourné, Satan a détourné votre destinée et donné ça à une autre femme. Mais c'était l'homme de votre vie. Mais je vous dis ce qu'il faut faire. On va prier. Je ne parle plus de Michel, parce que lui, la page est tournée. Il y a quelque chose qui est en train de venir devant vous. Yes. Amen. Même si les sorciers de ton village sont forts, comment? Je vais les mettre sous tes pieds ce soir au nom précieux de Jésus. Ah. Regardez. À l'époque, vous étiez avec un monsieur qu'on appelait André. Hein? Oui, il y a un papa. Jeune homme qui vous aimait, qu'on appelait André. Hein? Oui, papa. Vous savez où il est maintenant? On l'appelle comment? André. André. On l'appelle comment? André. André, regardez. À l'époque, lorsque Rami Inabros, Infromi, Annaou, Eloï, Fili, Zamat, elle pense qu'elle est maudite. Elle n'est pas maudite. Regardez. Quand vous étiez avec André, ça c'est un jeune homme que vous avez aussi beaucoup aimé, qui lui aussi vous a aimé, mais qui n'était pas sérieux. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Madame, vous voyez, il y a un esprit derrière vous. Il y a un esprit derrière vous. Oui, papa. Cet esprit doit quitter aujourd'hui. Amen. À l'époque où vous étiez avec André, vous aviez une amie à vous qu'on appelait Claire. Hein? Il y avait une amie, elle est coiffée. On l'appelait Claire. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Un jour, elle vous a dit qu'elle a eu un rêve sur vous. Et le rêve qu'elle vous a raconté n'était pas bon. Et le rêve faisait allusion à ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Une forteresse qui était derrière votre vie. Et quand elle vous a raconté le rêve qu'il y avait, elle a vu quelqu'un de grand, de puissant, d'effrayant vous poursuivre. Et vous étiez en train de courir, demandant où aller vous abriter. Mais personne ne vous recevait. Et ce rêve qu'elle a vu, c'est ce rêve que je confirme aujourd'hui, qu'il y a une puissance derrière vous. Et cette puissance, regardez. Regardez, j'ai d'accord avec vous un jour. Oui, papa, est-ce que dans ma vie, j'ai été vraiment... On a déjà causé un jour. Non, papa. Ok. 8 ans, 10 ans. Quand vous avez 8 ans, de 8 ans à 10 ans, après de 12 ans à 14 ans, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une jeune fille qu'on appelait Hélène, avec qui vous avez grandi. Hein? Quand vous avez 8-10 ans, c'était votre voisine qu'on appelait Hélène. Quand vous avez 12 ans à 14 ans, vous vous êtes encore retrouvé avec cette jeune fille. La jeune fille-ci, votre amie Hélène-ci, qui est même déjà morte,
Sa grand-mère était une sorcière. Je vous dis comment le démon s'est venu en vous. Sa grand-mère était sorcière et sa grand-mère, avant de mourir, lui a transmis le pouvoir. Et la jeune femme-ci, la petite fille-ci, étant malade, comme vous étiez son amie, elle vous a aussi remis le pouvoir, voyant qu'elle allait mourir. Elle vous a transmis la forteresse de sa grand-mère. Donc c'est le démon de la famille d'Hélène qui vous a été donné en héritage. Et ce démon doit libérer votre vie maintenant. Yes. Père, au nom souverain de Jésus, que ce démon quitte. Que ses portes soient ouvertes. Que 2022 soit son année, au nom souverain de Jésus-Christ. N'ayez plus peur du mariage. Joyeux mariage.